Ça vous plaît, madame? Ouais, c'est pas pire. Je dirais même que c'est très pas pire. Maintenant, auriez-vous quelque chose pour que je mette les fleurs dedans? Oh, vous inquiétez pas, madame, je vais vous les envelopper. Ça va donner, ça? Quand je vais arroser, l'eau va passer à travers du papier? Madame désire un vase. Non. Madame désire une affaire de même. Bien, c'est un vase de 225 $, madame. Vous trouvez pas que Madame charrie? C'est une pièce de collection que le patron du magasin, Patrick Saint-Amand, a mis en vente. Si je comprends bien, Madame dirait n'importe quoi pour faire une pièce. Bien, c'est une œuvre d'art, madame. Ben non, pas en or, est en vie. Non, non, art, madame, une œuvre d'art. Oui, l'art de vendre des affaires en vite. Bon, ben, j'enveloppe les fleurs, hein? Oui, faites donc ça. Excellent! Coudonc, prenez-vous le magasin tout seul? Non, madame. Bien que souvent, j'en ai l'impression... Non, non, ouais, Fred, travaille, hein, ouais, allez ouvrir. Puis c'est pas tout, là, le chevreuil s'est pogné les cornes dans la clôture. Ouais. Je l'ai tiré, je l'ai manqué de 30 pieds. Non, en tout cas, là, ouais, allez ouvrir, hein, ouais. C'est pas tout. Ça a fait bang. Fait, sur le coup, le chevreuil s'est décroché de la clôture, puis je l'ai jamais revu. Ben oui. Non, puis là c'est tout, par exemple. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. On dirait que vous me trouvez pas drôle, monsieur Podvin. C'est pas ça, Fred. C'est pas ça. Moi, à 35 piastres de l'heure, je ris beaucoup. Mais je ris vite. Ah ouais. Je vous comprends. Ben. Hey, monsieur Potvin. Quoi encore? Ça fait bien 5 fois que je viens travailler ici cette année. 6 fois, Fred, 6 fois. Mais travail! Savez-vous que depuis que je vous regarde, là, opérer le commerce de fleurs, que je vous admire de plus en plus? Ah là là? À 35 piastres de l'heure, c'est pas le temps de placoter. Non, mais attends, Fred, va au bout de ta pensée, là. À 35 piastres de l'heure, j'ai pas le droit. Oui, t'as le droit. Non. Fred, je te le donne, le droit. Bon, c'est moi qui paye. Hein? C'est quoi, ça, cette affaire-là, là, de l'admiration pour quelqu'un, là? Pour qui, ça? Vous m'avez pas entendu. Pour vous, monsieur Potvin. Moi? Là? Pourquoi? Vous avez 73 ans, puis vous êtes là, le fringant. Une soirée de dos. Pas rien, puis vous renez le commerce de fleurs avec la poigne d'un vrai businessman dans la fleur de l'âge. Oui, tu trouves, toi? Monsieur Potvin, j'aimerais ça vous ressembler quand j'aurai votre âge. Oh, Fred, et pop! Bon vieux, tu vas y arriver! Ouais. C'est évident que t'es intelligent, toi! T'es-tu vu comme potère, ça? Ah, tu vas y arriver, c'est sûr! Vous croyez? Officiel, là, certain! Seulement, ça sera pas facile, tu sais. Il faut que tu travailles. Ah, mais il faut que tu travailles beaucoup, ben! Ah, ouais. Ouais. Merci, monsieur Potvin. Peux-tu vous dire quelque chose? Va donc au bout de ta pensée, Fred. Y a rien qui presse. On a tout notre temps, ouais. Monsieur Potvin, vous êtes devenu une idole pour moi. Aïe. Voyons. Arrête donc. Il faut quand même pas se faire. Arrête un peu, toi. Non, écoute, je suis pas un saint, moi. Tu sais, j'ai des défauts. N'a pas le diable, tu vas me dire demain. Veux-tu travailler un peu? Oui, monsieur Potvin. Merci. Oh, hey, Fred, quand tu auras fini, là, passe pas par le magasin avec tes bottes pleines d'eau. Inquiétez-vous pas, je vais passer par la porte par là. Merci d'être venu nous voir, madame, et revenez. C'est vous une chose, madame Séguin.
Je vous admire. Je le sais que j'ai un caractère de chien. Mais en 25 ans de magasinage, vous êtes la première vendeuse qui n'a pas grimpé d'un rideau. C'est une fun, Valero! C'est une fun d'affaire à faire avec le public, hein? Ah oui. C'est une fun de rencontrer du monde ordinaire, du vrai monde! Ah oui. Tu sais que c'est les plus intelligents, moi, ça. Ah oui, le gros bon sang des gens simples. Depuis quand t'es en amour avec le monde entier, Hector? Mais j'ai toujours aimé le monde, moi, Marie-Rose. Ben, moi aussi, même si des fois... Écoute, sais-tu ce que Fred, là, notre plombier, là, sais-tu qu'est-ce qu'il vient de me dire? Non, qu'est-ce qu'il vient de te dire, Fred, notre plombier, Hector? Non, mais là, tu vas rire, là. Il m'a dit que moi, là, j'étais son idole. Écoute un peu, c'est drôle, un peu, mais pas... Non. Mais t'as raison de dire que c'est drôle, par exemple. Puis t'as raison de dire que je rirais. Mais oui, puis qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Hein? Pourquoi que ce gars-là, ce jeune-là, il me prendrait pas moins comme idole? C'est mieux qu'un punk. Mais oui, excuse-moi. Mais ça me fait plaisir à ce point-là. Non, mais c'est bon pour lui, ça. Mais oui, bien sûr. Faudrait quand même pas que tu prennes ça au sérieux, hein? Ben pourquoi pas? Ben écoute, là, à notre âge, là, tu penses pas qu'on a passé ça le temps de croire aux idoles? Ben écoute, après trois quarts de siècle de vie, on le sait, hein, qu'il y en a pas d'idoles. Hein, on le sait? On le sait qu'on est rien que des humains qui font leur possible puis qui essayent d'être heureux le mieux qu'ils peuvent. Ouais. Toi, là, en as-tu des idoles? Non, à mon âge, j'ai rien que des amis. Non, mais Hector, nous vois-tu en adoration devant des athlètes, des premiers ministres. Oh, là. Des hauts petits coins, ils sont pas là comme les autres. Nous vois-tu en adoration devant des chanteurs ou bien des actrices. Arrête. Nous vois-tu à quatre pattes devant des vedettes. Ce serait pour des fleurs. Ben oui, on arrive. Hein? Excuse-moi. Excuse-toi si tu veux, mais moi, je te parle plus. Bonjour le monde! Ah, je vois que mon vase est déjà parti. Vous l'avez déjà vendu. Oui, mais non. Oui et non? C'est-à-dire que non, il est pas vendu, puis oui, il est parti. Comment ça, non, il est pas vendu, mais oui, il est parti? Inquiète pas, il est pas parti loin. Qu'est-ce que t'essaies de me dire, toi, là? Fais un pas de plus, puis tu vas avoir les deux pieds dans ton vase. Qu'est-ce que vous avez fait de mon vase à 225$? Moi, j'ai rien fait, c'est elle. Marie-Rose! Espèce de lâche, c'est toi qui l'as cassé! J'ai tout fait justement pour t'empêcher de le casser. Hector, pas de vin, tu devrais avoir honte! J'ai honte? J'ai honte de toi! Honte de moi? Mais c'est toi qui as fait un fou de toi-même! Oh, minute, là! Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a deux vedettes, Serge Laprade et Michel Richard, qui sont venus acheter des fleurs. Ah, ben, Hector s'est conduit comme un écolier qui rencontre Baudérec. Oh, ben, tu t'es pas vu, tu l'as pas vu, elle, hein? Avant l'air d'une groupie de 70 ans devant Michael Jackson, quoi. Oh, ben, il est fou, il est complètement fou! Ouais, ben, pas autant que toi devant Serge Laprade, hein? Tu sauras que je suis restée très digne. Très digne! J'ai tout fait pour l'empêcher de virer folle complètement puis de perdre la boule. Oh, ben, ma grande foi du bon Dieu! Mais Hector, tu perds la mémoire! T'es sénile! Oh, ben, tu seras malheureux! Une minute! Wow! On va y aller un à la fois! D'après toi, Hector, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, enfin quelqu'un qui va dire la vérité! Oh. Moi! Écoute bien, Vodek. J'étais en train de travailler, comme toujours. Tu sais comment je prends tes intérêts à cœur, hein? Bon. Alors, j'étais en train de travailler, à un moment donné, la porte s'ouvre, puis Michel Richard, puis Serge Laprade entrent. Ah!
Ce serait pour des fleurs. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Si vous voulez entrer, puis faire votre choix. Bonjour, madame. Oh, félicitations pour votre programme. Oh, merci. Alors, comme vous voyez, on a toutes les fleurs que vous pouvez désirer. Oui. Est-ce que je peux vous toucher? Oh, bien sûr. Oh, vous me connaissez pas, mais moi, je vous connais. Excusez ma femme, hein. T'es l'habitude qu'elle a poigné son adoratoire Saint-Rosa. Elle aime ça toucher à des reliques. Je vais considérer ça comme un compliment. Ben oui. Hey, dites-moi dans quelle sorte de fleurs vous voulez. Ce qu'on aimerait bien avoir une douzaine de roses pour notre réalisatrice. C'est son anniversaire aujourd'hui. Mm-hmm. Pensez-vous qu'Yvon va être d'accord? Ah, sûrement. Qui ça, Yvon? Ah, c'est un autre artiste. On fait une émission de télévision tous les trois ensemble. Et malheureusement, il n'a pas pu venir. Il n'a pas fini ses répétitions. Bon, une douzaine de roses, comme il y a les plus belles en ville. Oh! Est-ce que je pourrais avoir un autographe? Mais oui, certainement. Ben, j'ai pas de crayon. Puis j'ai pas de papier. Je pense que j'ai ça ici. Voilà. Bon, alors vous écrivez à Marie-Rose Séguin. D'un ami. Oh non, non, attendez. D'un grand ami intime. Serge Laprave. Voilà. Oh, merci. Oh, non, 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 je vais le garder comme souvenir. Hector? Quoi, non? Sors la Polaroid. Ben, voyons, on achète. On n'a pas de Polaroid. Oui, 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 Patrick en a acheté une pour le catalogue d'arrangements floraux. T'as raison, j'ai... D'ailleurs, t'as toujours raison. Attends une seconde, Bon. Permettez. Avec plaisir. Monsieur Laprade, excusez. Savez-vous, vous, c'est pas nécessaire. Si vous voulez regarder le petit oiseau, là, grouillez pas. Attendez une minute. Parfait! Maintenant, la photo est prise. Excusez-moi. Maintenant, les fleurs. Tu trouves pas qu'on devrait offrir à notre réalisatrice notre douzaine de roses dans un pot ou dans un vase? Oh oui! Ben justement, tiens, il y en a un très joli, là. Ça va très bien. Oh! Attends, bouge pas. Tiens, Marie-Rose. Magnifique. Tout simplement magnifique. Ça a du bon sens, inventer des histoires de fous comme ça! Patrick, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Patrick, crois pas un mot de ce qu'il raconte, c'est du délire! Crie pas, Marie-Rose, crie pas! D'après toi, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Patrick, c'est très simple. Comme d'habitude, je faisais les trois quarts de l'ouvrage. Quand tout à coup, arrivent Serge Laprade et Michel Richard. Oh, ben, t'aurais dû voir Hector! Marie-Rose! Marie-Rose, regarde qui c'est qui vient d'arriver! Ben oui, c'est deux clients comme les autres. Ah, parce que t'appelles ça des clients comme les autres, toi! Ben, ils ont deux bras, deux jambes, pareils comme nous autres. Lâche-moi, elle a sûrement d'autres choses de pas pareilles comme nous autres, elle certain! Bon, ben, je vais aller les servir. Non, que je te voie pas, toi, que je te voie jamais, toi! C'est moi qui ai vu premier, c'est moi qui vais aller les servir, ces clients-là. Ce serait pour des fleurs. Oui. Arrive. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue aux fleurs du crépuscule. Ah, ben, vous êtes trop gentil, monsieur. Oh, mais si vous saviez comme ça fait plaisir de vous recevoir. Puis gentil, mais il n'y a rien de trop gentil pour vous. Monsieur, madame, qu'est-ce qu'on peut vous offrir? On a des roses, des violettes, des lilas, on a tout. Oui, puis s'il n'y a rien qui vous intéresse, moi, je te vois là. Ben oui, on voudrait faire un cadeau à notre réalisatrice, c'est son anniversaire. Ah. Alors, on a pensé lui offrir une douzaine de roses. Non, des roses, tout le monde donne ça des roses. Ben, moi, je trouve ça très bien, des roses. Oui, puis que vous avez donc raison. Si tout le monde donne ça des roses, c'est parce que ça se donne toujours bien, vous avez raison. Reste pas là, Marie-Rose, envoyez, une douzaine de roses, envoyez, que ça saute.
J'espère qu'Yvon va être d'accord. Mais Yvon, qui? Ah, c'est un camarade dont on fait l'émission de télévision tous les trois ensemble. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'a pas pu venir, il n'a pas fini ses répétitions. Auriez-vous l'obligeance de ne pas nous interrompre pendant qu'on parle? Madame, est-ce que ça serait un effet de votre bonté, madame, de donner à un humble et simple fleuriste votre autographe? J'aimerais bien ça, mais malheureusement, j'ai pas de crayon. Non, vous me permettez, voilà! Excusez. Excusez-moi. Ça va aller. Ça doit être un stylo à tête chercheuse. Non, vous en supplie. Laissez-moi réparer les dégâts moi-même. Ça sera pas nécessaire. De chance. Vous pouvez être sûr que mon stylo et moi, on va garder un souvenir indélébile de sa visite. Ben, ça me fait plaisir, monsieur. Maman va vous faire doublement plaisir. Pardon? Voir... Oui, Marino, tiens, sors-la pour l'oreille. Oui, mon ami. Oui, nous allons. Ça vous ferait quelque chose d'aérer la photo un peu. Attends. Tire-nous le portrait, là, mais pas trop vite. Prends ton temps, là. Alors? Attends. Hein? Un, deux, trois. Bon. Reste pas là, Marie-Rose, je vais chercher les fleurs. Oui, mon amour. Tu trouves pas qu'on devrait offrir nos fleurs dans un pot, dans un vase? Non, c'est pas nécessaire, papa. Ben, moi, je trouve ça une excellente idée, tiens. C'est exactement ce que je disais. C'est pas nécessaire, mais c'est une merveilleuse pensée. Marie-Rose, reste pas là. Oui, va chercher le vase. Oui, mon amour. C'est une bonne employée, vous savez. C'est même une très bonne employée. Ben, elle s'occupe des petits jobs. Moi, ça me permet de me consacrer, vous savez, aux projets importants. Ah, parce que vous avez l'intention d'agrandir votre magasin, ou? Et entre autres. Ben, vous savez ce que c'est, hein? Faut toujours aller de l'avant. C'est ma tête fourmée, moi, d'immenses projets, hein, Marie-Rose? Ah, ben, si ça a du bon sens de compter des histoires à dormir debout de même! Hey, j'ai dit la vérité, toute la vérité, puis rien que la vérité! Oui, rien que la vérité qui fait ton affaire! Hey, silence! Qu'est-ce que devient mon pot là-dedans? Ben, nous autres, on a balayé les morceaux, puis il te reste plus rien qu'à coller. Niaise-moi pas, Hector, hein! Puis de toute façon, je pense que je la saurai jamais à la vérité. Monsieur Saint-Amand, je sais ce qui s'est passé. Moi, j'ai tout entendu, j'ai tout vu. Je pense que ton admirateur est à la veille de gosser ton piédestal, Hector. Mais pas Fred, je suis ton idole. Ouais, mais vous, monsieur Potvin, vous êtes ma petite idole. Lui, c'est ma grosse. Mon Judas, toi! Très bien, ça. C'est parfait, ça, Fred. Maintenant, dis-moi ce qui s'est passé pour vrai. Bon. Ben, quand les deux vedettes sont arrivées, là, ils sont restés tous les deux sidérés sur place, la bouche ouverte, là. Faut être bébé pour être impressionné de même par des artistes. Ah oui, continue. Bon, ben, quand ils ont repris connaissance, là, ça a été les compliments, là. C'est comment est-ce qu'allait Ginette Renaud dans la vraie vie? C'est-tu vrai qu'Yves Christian va faire un comeback? Enchaîne. Je veux savoir qui c'est qui a cassé mon vase. Bon, ben, là, il était en train de prendre un portrait. Et puis. Mettez-vous là. Oui. Bon, c'est ça. Attends, moi, je vais m'installer ici, moi. Bon, ici. Bon, souriez, tout le monde, souriez. Mais est-ce que je peux poser une question? Non, plus tard, hein? Bon, plus tard. Oui, mais qui est-ce qui va prendre la photo, là? Oh, mon Dieu, excusez-nous. Hey, on est assez énervés, c'est la première fois qu'on rencontre des vedettes comme vous autres, là. Excusez-nous. Hector va prendre la photo. Non, madame. Enfin, bon, ben, je vais la prendre, moi, la photo. Mais... Non, reste là, écoute, je vais Non, laissez-moi faire. Comment ça marche, cette histoire-là, là? Ah, écoute, c'est pas compliqué, c'est une Polaroid, tiens. Oui. Tu pèses ici, Michel. OK, alors un beau petit sourire, M. Potvin, allez-y. Grand sourire, Mme Séguin. Un, deux, trois, voilà. Tenez, ça y est. Oh,
vie. Hey, merci mille fois. Ça va nous faire un vraiment beau souvenir. Hey, quand je vais montrer ça à Bertrand. Oh, mon Dieu. Je pense qu'on a la même idée, hein? Ben, je pense bien. Si on offrait ça à notre réalisatrice... Hein? Avec des fleurs dedans, ça va être magnifique. Oh, je vous la porte! Hey, c'est à moi qui l'a demandé. Arrête donc, toi, veux-tu? Bon, c'est moi qui a regardé à ce moment-là. Non, c'est lui qui l'a commandé. Lâche, Marie-Rose. Non, lâche-toi, Hector. Lâche, Marie-Rose. Je t'ai dit de lâcher, Hector. Lâche, Marie-Rose. Tu lâches. OK, là-bas. Si ça a du bon sens, perd les pédales de même parce qu'on rencontre du monde célèbre. Qu'est-ce qu'ils ont dit de ça, le Michel Richard et Serge Laprade? On dit, oh, que c'est donc de valeur. Oui, 225 piastres de valeur que je m'apprête à récupérer en deux morceaux. 112 piastres et demi pour toi, 112 piastres et demi pour toi. Puis j'ai pas droit à une commission, là. Fred, je sens que tu viens de perdre ta grosse idole. Maudit capitaliste. Parle pas de même, Fred. Maintenant, 112 piastres et demi chaque. Maudit capitaliste. Ah, bonjour. Bonjour. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un vase identique à celui que vous avez brisé. On l'a trouvé d'une petite boutique du centre-ville. Oh, merci, madame. Ah, ça, c'est gentil, ça. Oh, vous pouvez pas savoir comme ça va nous aider, hein, Patrick? Ouais. Bonjour. Bonjour. Je suis le propriétaire des Fleurs du Crépuscule. Et je viens m'excuser au nom de mes employés qui se sont comportés comme des enfants envers vous. Alors, je vous prie d'accepter mes excuses pour ce comportement d'adolescents immatures qui agissent comme s'ils avaient rencontré le bon Dieu quand ils rencontrent une vedette. Salut tout le monde!